C'est une putain de vidéo. Hey, salut les petits potes. Regardez, je suis avec ma petite sœur. On est en vidéo là. Attends, je vais commencer la vidéo. Oh non, donc je suis avec ma petite sœur. Elle est avec son téléphone. Coucou. Aujourd'hui, petite vidéo de parcours. Donc en vidéo en version grand angle. Pourquoi en grand angle? Parce qu'en angle normal, c'est pas suffisant. Donc on venait en grand angle. Yo tout le monde. Moi, je suis déjà en vidéo, donc. Voilà. Par contre, je vais faire voir ma face sur mon téléphone. Donc, alors, du coup, là on a version grand angle, donc on va pouvoir voir à peu près ce qu'on va faire en parcours aujourd'hui. Donc le plus important c'est de savoir comment monter et descendre en mode parcours. Donc c'est parti, moi je vais descendre, je vais la laisser descendre après. Je la laisse faire sa prestation. Alors, pour moi, je vais aller de mon côté, le temps qu'elle commence sa petite vidéo, parce que moi, elle a déjà commencé. Donc, nous, on va aller partir là-bas. Donc, grand angle pour vous montrer à peu près comment on monte et on descend en mode parcours. Donc, non, on va pas s'abuser avec ça, on a dépassé le stade des gamins. Donc, voilà, par contre, ma sœur, elle l'a pas oublié. Donc, voilà. Alors, les amis, aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça en extérieur. Donc j'ai choisi de faire cette vidéo à l'extérieur parce que j'en avais besoin. Écoutez, donc alors, je vais disposer mon téléphone sur le sol, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà, parfait. Alors, on a la version grand angle. On peut me voir correct. Alors, je vous montre aujourd'hui, donc le temps que ma petite sœur se prépare pour son parcours, parce que je vais la préparer. On va monter nous ce mur. Donc ce mur, il y a deux façons de le monter. On se sert de cette cale qui est juste là, ou on monte en version parcours, ou on pose son pied pour monter ici. Donc oui, évidemment, c'est pas un mur haut, j'ai pas trouvé mieux et j'ai pas trouvé plus haut, malheureusement. Donc du coup, pour moi, ça va être simple de monter. Donc je vais vous montrer déjà les deux premières techniques, donc pour monter et descendre, par exemple si on a peur du vide ou ce genre de truc. Donc on va souvent avoir tendance à vouloir monter quelque part et s'agripper après pour pouvoir monter la surface, donc comme ceci. Hop. Comme ça, poser son pied et faire ça, tout simplement. Voilà, donc ça c'est les personnes qui ont peur donc du coup du vide, donc qui montent tout doucement, donc là voilà, ça va trembler le temps du retour et ça va se mettre. La personne est montée, là sur ce point là on est d'accord. Après, il va falloir descendre. Alors, pour redescendre, je pense que les personnes qui ont un peu peur du vide comme ça, vont venir se retenir justement, donc ils vont se servir de leurs mains, donc justement de où ils sont venus. Donc ils vont sûrement faire ceci. Donc tac. Et ensuite, tac. Voilà, donc ça c'est la première technique pour monter. La seconde dans votre parcours, c'est un truc beaucoup plus parti, donc il va falloir aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc du style comme ceci. Vous allez comme ça. Et hop, vous mettez au plus vite vos mains et vous êtes monté. En solution de parcours pour descendre, vous sautez. Il n'y a pas de. Pas de peur à avoir. Vous prenez vos couilles à deux mains et vous sautez. Comme ça. Voilà. On est descendu. Bon. C'est bien. N'expliquez tout ça. Maintenant, on va s'attaquer à Manon. Bon, Manon, préparation de parcours, s'il te plaît. Au lieu de t'amuser sur un tourniquet, pourquoi pas. D'accord, on n'était pas obligé de voir ça, mais c'est pas grave. Bref, allez, let's go pour le parcours. Alors. Hip, le téléphone de Manuel. Je t'embrouille, moi, j'ai le grand angle. Hip, Manuel. Bref, alors, ce que tu vas me faire comme parcours aujourd'hui. Tu vas me monter la cale là sans te tenir à la corde. Putain. Tu vas me faire. Et tu vas descendre en sautant de l'autre côté. Regarde. Le bois. Donc du coup, ça veut dire qu'elle va monter par là. Et qu'elle va ressortir par l'échelle. Donc ici. Alors, je vais tenir ton téléphone. Non, pas comme ça. Au filet. Oui, pas comme ça. Moi, je te parle de la seule cale qui est là. Fais-le.
Et tu redescends de l'autre côté. Tiens, mon téléphone. Oui, bah, je vais filmer pour toi. Évite de dire colère parce que sinon je te filme plus. Bah, c'est comme ça. Alors, on a les diversions, c'est plutôt pas mal. On mettra les chaînes en description, donc pour ceux qui veulent aller voir. C'est ce que je leur ai dit, d'accord? Oui, bah, il faut bien que je le dise aussi. Donc regardez-moi ça comment on descend, c'est n'importe quoi. Et bref. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ouais, abonnez-vous. Bah, de toute façon, t'auras des parce abonnés que à moi. Donc, zéro abo. Oui, mais tu auras des abos à moi. Allez, prête? C'est sérieux là? Allez, c'est parti. Ok, alors elle monte. Ok. Premier essai. Allez, on recommence. Tu prends bien ton élan et t'essaies de mettre ta jambe le plus haut possible. Allez, vas-y. Presque. Eh, mais faut pas que tu fasses la folle. Faut que tu sois concentré. Attends. Oui, bah prends de la vitesse si tu veux. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. Allez, mets ton pied, allez. C'est bien. Oui, mais faut que tu montes ton pied là. Allez. Tu montes ton pied, voilà. Tu n'utilises pas les autres cales. Parfait. Nickel. Non, côté échelle. Tu me sauves. Oui, mais tu descends en sautant. Ça change de rapport. Alors, hop, allez, vas-y, tu sautes. Ah, je me suis fait mal aussi. Ouais, c'est pas grave. Allez. Connard. On n'a pas peur, on apprend son courage à deux mains. Est-ce que je peux me mettre? Oui, tu peux te mettre sur le deuxième si tu veux. Voilà. Rip. Tac. Alors, pour. Oui, bah, on n'était pas obligé de savoir. Pour me conclure, moi, de mon expérience à vous montrer, ma petite sœur va également me prendre en vidéo sur sa vidéo et sur la mienne. Donc moi, comme je suis en version grand angle, ça va plutôt être pas mal. Et donc, du coup, tu vas devoir suivre mon téléphone et avoir les yeux rivés sur la caméra. On est d'accord? Fais attention, si tu dis quelque chose, ma caméra t'aura filmé. Alors, c'est parti, on va de l'autre côté. Je fais exactement ce qu'elle a fait Manon. Donc moi, je vais monter par exactement où elle est montée et redescendre par où elle est descendue. En ma version, moi. Donc vous allez voir, c'est complètement différent. Tu te mets là. Une fois que je suis montée, t'essaies bien de suivre à peu près ma trajectoire. Manon, ok? Et après, on voit les différences. On est prêt? On est parti? C'est parti. Hop. C'est bon? Et voilà. Le temps, j'ai mis pas beaucoup de temps parce que moi je suis déjà habitué à faire du parcours. Du coup, c'est mon avantage. Alors, la première fois c'était plutôt pas mal, Manon. Il faudrait peut-être que tu t'améliores un peu au niveau de la vitesse. Pour la deuxième, là on va se servir de la corde pour toute une autre utilité. Donc là, genre, non, on peut se tenir comme ça. Hop, et on se tient. Ok, on est d'accord. Donc je vais vous. On n'était peut-être pas obligé d'entendre cette bêtise. Hop, alors moi. Hop. Je vais vous mettre là. Voilà. Parfait. Là, ça c'est fait. Alors. Là, on a cette corde. On se met derrière et on descend. Non, je rigole. Hop, on va remonter en tirant la corde comme ça. Bah, comme on l'aurait fait. À noter que là, ça bouge. C'est pas normal. Bref. Hop, et après, on va faire ceci. Donc, on va se pencher en arrière pour voir nos faiblesses. On est d'accord? Il va être temps que tu le testes. Mais également. J'ai peur. Toi aussi, il faudra que tu le testes. Je teste. Je suis en train de le faire. J'ai peur. Hop. Hop. Descendre. Tout doucement. Je vais me pousser la gueule. Et voilà. Bref. Alors, seul sur parcours. Ou pas, tu prends comme tu veux. Le portable, il te... Si, il me voit. Je suis en train de l'entendre. Donc, c'est parti. Solution parcours, tu passes par-dessus, tu t'en fous. Allez, maintenant qu'on m'a vu moi, à ton tour. Attention, faut pas que tu te sers des cales. Hein. Juste,
de tes pieds et de ta force. Voilà. Comme toi. Ok, moi je suis passé par au-dessus, elle est passée par en dessous. D'accord. Attends, rip, mon téléphone s'il. Oh putain. Alors maintenant. Attends, il y a un problème. Je vais aller te chercher. Hop, alors tu voilà. Tu me fais tomber, je te nique ta race. S'il te plaît, je peux l'avoir. Mon bébé. Mon bébé. Mes abonnés. Enfin, ce que. Je vais quand même. Je suis en train de monter en sautillant, moi. Donc voilà, les amis. Alors moi, je suis sur la descente. Rip le téléphone, là, Manu. J'ai jeté ton téléphone. Oui, bah, tu fais ça, je jette le tien aussi, donc c'est pas grave. Oh non, mais ça bouge. Donc, pour descendre, tout d'une autre façon. Moi, je m'en bats les couilles, en fait, de ce. Hop, on va monter. Tac. Et on va sauter. Voilà. Non, je rigole. En vrai, on va juste s'amuser. On va faire quoi? On va s'aventurer dans les enfers. Vu que je suis un diable. Putain, je suis crevé. Bon. Eh ben ouais, je vais vous apprendre comment monter. La prochaine vidéo, je veux que j'ai des questions à peu près normalement. Enfin, comment je pourrais dire ça? À peu près cool. Enfin non, bah, mais à peu près cool. on va peut-être me demander aussi ce que je fais dans la vie, tout le bordel. Donc, la prochaine vidéo sera basée sur bah tes couilles. pourquoi mes couilles? Je sais pas. En plus, c'est une monétisation de YouTube, alors il va falloir que je fasse attention avec ça. Donc il faut éviter les gros moustiques. Ah. Bah ouais. Excusez-moi les amis. C'est plutôt mes abonnés, oui. C'est pas la même chose. Bref. Donc la prochaine vidéo, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc merci Manon. Vous me posez. Manon, s'il te plaît. Donc vous me poserez toutes vos questions sur Insta, puisque je suis sur Insta. Ça, maintenant tout le monde le sait, donc voilà. Je peux pas avoir Instagram. Instagram. Qu'est-ce que tu as dit que tu pouvais pas avoir ça? Parce que c'est pas si on m'a mis le contrôle parental. Ah, ça c'est bon. Moi j'ai pas besoin, j'en ai pas. Donc j'essayerai d'y répondre avec mon amour, si possible. Attention, je dis bien si possible, parce que c'est pas dit qu'elle veut bien s'afficher sur ma chaîne YouTube. Par rapport à ça, donc je sais pas exactement comment ça va se passer. On verra bien, mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors, il me reste précisément 4 jours avant que je la voie, donc je suis extrêmement très 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 impatient. Du coup, j'essaie de m'occuper à peu près toute la journée. Comme dirait P1 pour ceux qui regardent ces vidéos, c'est l'apocalypse. C'est qui faire... P1? Tu connais pas P1? Non. P1, c'est celui qui mange des rations et qui fait plein de choses. Ah, qui présente si des trucs le par fou, rapport. Le fou là, le mocheté. Quoi? C'est le mocheté, non? Non. Qui bouffe du poisson? Non. Si, qui faisait. Qui fait cuire n'importe quoi. Mais P1, c'est celui qui mange des rations. Oui, c'est lui. Mais il mange pas n'importe quoi, P1. Hein. Oh, mais si, c'est dégueulasse les rations. Tu rigoles, moi j'aimerais bien avoir une de ces rations, putain franchement sois tranquille, moins de 24 heures. Soit 24 heures ou 72 heures, peu importe, c'est pareil. 72 heures. Bon moi j'en peux plus, c'est dégueulasse. Oh bah c'est toi qui as voulu. Hein. Arrête, t'as vu les rations qu'ils ont maintenant et c'est mieux qu'avant. Bref, du coup. D'ailleurs il a fait tout lui. Je sais pas, en montagne. Oh putain, je peux pas y aller. En général il fait la plupart de ses vidéos en montagne, donc ses rations ils ouvrent en montagne chez sa maman ou chez ses parents. Et ça, c'est... J'adore qu'on me dit voilà. C'est sa maman, c'est ses parents. Oui, non, mais... C'est pas grave. Donc, du coup, bah, j'essaie de m'occuper un peu la semaine. Donc, comme dirait P1... Ok, on va bouger après. Comme dirait P1, c'est l'apocalypse. En attendant, tout ce qu'il faut, il va falloir... qu'est-ce qu'il dit déjà? Il va falloir s'habituer à l'environnement. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. En attendant, ce week-end, on est dimanche, aujourd'hui, je me fais chier, donc voilà. Et bah en même temps, toi tu fais que la folle, donc tu m'étonnes que t'as pas d'abonnés. Oh là là. Bref, alors, on va aller bouger, je vais récupérer une vidéo, ou plutôt ma vidéo. Oui, une petite araignée. Regardez ça.
petite araignée. Monsieur la voix. Monsieur la voix. Référence à mon amour qui adore les araignées. Qu'est-ce que je suis en enfleur avec ça? Donc oui. Non, je rigole. Bon, nous on va bouger. Et voilà, c'est parti. Donc nous on va bouger, c'est parti. Donc. Oh merde. J'ai baissé la luminosité, voilà. Parfait, luminosité ambiante correcte de la journée exactement actuellement. C'est génial. Alors, plan d'eau, quand on se casse les couilles, ou plutôt quand on se fait chier, pardon, j'ai des hauts de cœur, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Eh ben, on essaie de trouver des occupations. C'est Manuel. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Salut. Bonjour. Bref, moi aussi je suis en vidéo, il y a quoi? Il y a quoi maintenant, hein? Il y a son petit téléphone là. Oh. Bref. Mais moi je t'emmerde. Ah bah d'accord, bon bah ça c'est fait. Voilà. Donc la prochaine vidéo, j'essaierai de répondre à des questions qu'on m'a posées sur Insta. Donc je sélectionnerai des questions selon lesquelles je pourrais répondre. Donc j'essaierai de répondre au plus de questions possibles. Donc la vidéo va peut-être durer un bon moment. Donc si vous voulez vous taper un fou rire ou savoir à peu près pas mal de choses sur ma vie, donc notamment des choses, pas trop de choses privées non plus, mais quelques petits trucs, vous pouvez poser la question, j'essaierai de répondre en vidéo. Enfin, si j'y arrive et que j'ai le courage, à demain. Normalement, je devrais répondre aux questions qui me sont posées. Donc, je vais essayer de repartir sur des bonnes bases de YouTube. Donc, voilà, on va essayer d'augmenter les abonnés parce que 18, c'est bien, mais ça commence à faire un peu bas. Enfin, c'est très bas même. Donc, je vais essayer d'augmenter mes pauvres petits abonnés. Donc voilà. On va essayer de faire des vidéos plus souvent comme ça en extérieur. Parce que ça fait plus du bien. Donc, ça fait 17 minutes qu'on tourne. Hein, donc, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la vidéo, on a mis pause. Non, je suis complètement bête. Oublié. Du coup, voilà. Donc, quand je m'emmerde, j'essaye de faire à peu près ce que j'ai envie de faire. Donc, j'écoute de la musique en courant sur cette petite ligne. RIP ma vie. Oui, cool, mais moi je crois pas. Franchement, honnêtement, j'aurais préféré être avec ma femme que de rien foutre. Mais t'es avec ta soeur. Oui, bah, quand je cours, je fais rien, je cours juste. Hein. Je m'emmerde juste à écouter de la pauvre musique et à courir pour muscler mes pauvres petites jambes. Bref, on épargnera les détails. Donc, du coup, bah voilà, j'essaie de passer mon temps à faire pas mal de choses. Donc voilà. Ça, c'est quoi, j'aurais bien aimé, c'est avoir une GoPro. Ça, on dirait qu'on est en soirée. Je vous présente. Putain, maman, on la voit pas beaucoup. Non, on la voit. Ah. Du coup, maintenant, on la voit. Manu, il est là. Réalité augmentée, mon frère. Wesh. Mon frère, franchement, quand on voit la vidéo en grand angle, on a l'impression que c'est une vidéo 4K. Je te jure, le bordel. Bon, la caméra bougerait pas comme Oh, voilà, à peu près. Oh, c'est génial. On va tout doucement. Regardez. Vidéo tout à peu près 4K, mon frère. Regarde ça. Non, je rigole. Mon frère, c'est pas du 4K, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le bordel, il fait que 2 mégapixels, mais il enregistre pas mal. Il entretient bien les couleurs, c'est génial. Presque pas Manu. Oh putain, c'est génial ça, regardez ça. J'ai réussi à trouver une stabilité à peu près correcte. C'est génial. Voilà, c'est parfait pour faire la vidéo. Bref, alors là, petite vidéo, on dirait que je suis en 4K, mon frère. Je suis sûr, là je vais m'arrêter. Juste l'image est splendide. Franchement, par rapport à l'angle normal, c'est complètement différent. Et donc voilà. La luminosité, bah écoutez, c'est exactement la même qu'en vrai. Donc il n'y a pas d'inconvénient. C'est extrêmement bizarre d'ailleurs. Donc ça soit exactement même luminosité. Bon, à part au niveau de l'eau. Mais ça c'est normal, c'est parce que. On n'est pas encore à l'extérieur, donc. Parce qu'il y a des arbres tout. Des arbres. Des arbres. C'est complètement con. Bref, on s'en fout. Donc, toutes les questions que vous voudrez me poser, vous me les posez sur Insta. Donc, de toute façon, mon Insta sera dans la description. La chaîne de ma sœur sera dans la description. Et donc, du coup, bah voilà. Comme ça, si vous voulez poser des questions, vous me les poserez et je verrai avec mon bébé si je peux répondre à vos questions en vidéo avec vous. Donc, plutôt pour vous. Ouais, ça dépend. Parce que je peux pas être en direct parce que j'ai pas plus de 1000 abonnés. YouTube, franchement, sur ce coup-là, ils ont craqué. Voilà.
Mais c'est pas, grave, on s'en fout. Donc, du coup, bah, j'ai essayé de passer la plupart de mon temps à faire des choses à peu près utiles. Alors, on est sorti. Attention. Ok, la luminosité a des... Ah, ça y est, bon, enfin. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. La luminosité de l'extérieur. Donc, ouais, c'est extrêmement spécial. Donc, voilà. C'est ce que j'aurais dû faire, voilà. Donc là, on a maman. Maman qui est dans un très mauvais, état. Et là, on a ma tête et on a maman derrière. Fais coucou. Ok, d'accord. Merci, c'est gentil. Ah, donc du coup, bah voilà. On va remonter sur la grande pente. Donc voilà. Là, on a mes jambes. Non, je ne suis pas un tout petit peu plus grand. Si, juste un tout petit peu. Regardez la hauteur maintenant qu'on est. Donc, comparé à hier où j'étais à peu près, voilà, comme ça. Hier, j'étais à cette hauteur-là. Et voilà, bon, on voit clairement que ça change de hauteur. Donc, pour vous montrer à peu près ma taille. Voilà. Donc, à peu près ça. Par rapport à ma taille. Donc, j'ai dépassé les 1m70. Normalement. 75 ou... Non, j'ai dépassé le 70. Donc, je dois pas être loin du 80. Donc, c'est génial. Donc, là, on est arrivé au lavoir. Donc, voilà. Alors là, franchement, si je peux prendre la meilleure prise de cette vidéo. Donc, regardez ça. C'est magnifique. Juste, quand on regarde comme ça, c'est génial. Bah regarde, là aussi il y a un poisson. Bah si, moi j'en vois un. Et en plus on le voit sur ma vidéo. Regardez le petit poisson qui est juste là, là. Tout petit poisson. Bref, alors on va me poser certaines questions donc par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Voilà, let's go parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Ok, les machines là-bas se sont mises en route. D'accord. On entend bien les bruits. Sol pleureur. De la pleurer. Bref, je change, ma voix change, mon caractère change, tout change. Non, je rigole, je reprends mon caractère d'avant, donc c'est pour ça que je suis bien et que je refais beaucoup de vidéos. Et que je suis très humoristique. Regardez-moi ça là. C'est quoi, chien? Bah, j'en sais rien. J'ai jamais su ce que c'était ce bordel. Mis à part que ça fait de la flotte. Regardez-moi ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je sais pas à quoi ça sert, donc c'est pas grave. Alors, voilà. Vous avez la destination. Vous avez marqué la commune. Moi, j'y serai plus après. Donc, ça sert à rien de vouloir venir me voir. Parce qu'après, je serai vers Nantes. Donc, et si tu rigoles. D'ailleurs, j'ai même pas envie d'y aller, mais bon, j'avais pas le choix. Hein, maintenant, je suis au lycée. Tout le bordel. Donc, j'étais inscrit au lycée de Couéron. Voilà. Et avant de vous donner toutes les informations, regardez la D133 Frigny-Vallement de l'Erdre. Mon cul, ouais. Pardon. Donc, il a été baptisé deux fois par le... Oh. J'arrive plus à parler. Village Fleury, il a deux étoiles, enfin deux fleurs, tout simplement parce qu'il a été nommé deux fois. Voilà, alors je viens de m'éclater le pauvre petit genou. C'est pas grave. C'est ça quand on met pas de chaussettes. Bref, nous on va continuer. La magnifique vue sur le plan d'eau. Ah, attendez, parce que j'ai une prise, voilà, elle est là. Regardez ça, elle est vachement belle cette prise. Franchement, tu prends une prise avec un appareil photo ici, t'es refait. Voilà. Donc après, hein, on a des champs après tout autour. Donc voilà. On a l'église. Ah, à pas oublier l'église qui est juste là, là. Cette église qui fout un max de boucan quand elle en a envie. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Donc tu rigoles, mais après j'entendrai plus, donc je vais pas se tranquille. Et après j'entendrai des véhicules passer. Bah comme d'habitude en fait. Tu rigoles, je les entends jamais passer moi les véhicules la nuit.
Il n'y en a pas. Là, il va y en avoir, ça me fait du bien. Que moi, je pourrais bouger. Je pourrais aller faire mes activités. Même si je sais que je vais être loin de mon bébé, que je vais me faire chier. Mais c'est pas grave. Ça va être compliqué. Du coup, normalement, c'est censé être ma dernière semaine ici. Donc, la semaine prochaine, normalement, je ne suis plus là. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Ce week-end, à partir de vendredi, donc il reste 4 jours avant vendredi. Donc, 5 pour ceux qui ont l'impression qu'il reste 5. Yes. T'es capable de monter là et danser la Macarena. Mais je suis pas comme ça, moi, je fais pas des défis comme ça, la con. Bref, parce que ça sert à rien, c'est complètement débile. C'est pas ça qui a rapporté le plus de vues. Donc voilà. En ce moment, il y a personne qui regarde beaucoup mes vidéos. Donc il va falloir que je me mette à trouver la bonne signation. Je sais plus comment on dit ça. Un bon truc pour pouvoir bien booster les vidéos. Voilà. Donc voilà. Donc c'est bien chiant, je m'emmerde bien, mais c'est pas grave. Oh là là. Du coup, je suis tranquille. C'est ça quand on marche longtemps. Après, on n'a plus de jambes. Regardez-moi mes jambes. Sérieux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai pas le choix. Tous les matins, tous les soirs, on va même presque toute la journée. Je suis comme ça. Donc je cours. Je cours. Je rentre. Je me repose. Je prends 3 roues. Je repars. Je reviens, je le laisse. Je repars à pied. Donc c'est. Ouais. Je veux dire que c'est un amusement pour moi. Donc quand je m'emmerde, bah je fais ça. Du coup après je sais que je peux faire ce que je veux. Donc du coup bah voilà. Oh là là, j'en peux plus moi. Non, je rigole, j'ai l'habitude donc. La force, ça me fait plus mal. Je pourrais courir 10 km, je le ferais. Ce qui est super, c'est que je peux. Donc... J'ai fait 24 km, donc plus les autres kilomètres que je fais d'habitude. Donc, du coup, mes jambes, ils en prennent un sacré coup dans la tronche. Du coup, bah, force, ils ont l'habitude de fonctionner. On arrive, place de l'église. Et voilà, place de l'église. On y est. Bon voilà, la place de l'église qui est grande. La place de l'église qui est énorme. Même moi, je me demande ce que je fous ici. Ouais, c'est pas grave. Après, je serai plus là, donc je m'en fous. Bon, même si j'ai tout ici. Putain, il va falloir que je me rachète une autre cigarette électronique. Enfin, un autre tublot. Je vais péter le mien. Du coup, je peux plus fumer, j'ai pété mon réservoir. Les boules! Bon. Un bourre de fouigné. Franchement, les gars, il n'y a pas grand-chose à voir. Juste vous donner à peu près la carte, vous allez voir. Voilà. Hein? Tac, je vais prendre une photo. Voilà, comme ça, je pourrais la mettre sur mes réseaux pour ceux qui veulent me voir avant mon départ. Donc cette semaine j'ai mon café et mon tabac, donc c'est génial, j'ai tout. Non, je rigole, j'ai pas tout, j'ai juste un peu de tabac et un vival, c'est tout. Et rip la vie ici. Moi, bon, après je me barre. Ah, c'est Manon, on dit il faut pas avoir le seum, hein. Il y a personne. Pas dans les pattes. Oui, bah, je serai plus dans vos pattes, donc vous serez tranquille. Par contre, je peux toujours demander de l'argent à maman si je veux prendre le train. Ça, je peux toujours. Alléluia. Putain, faut que je me renseigne, les tickets sont combien? Pour aller à une destination précise. Voilà, je ne dirai pas la destination. Voilà. Mais. Voilà. Donc vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Snap et Insta, qui sont dans la description. Donc la chaîne de ma sœur, je l'aurais dit. Donc voilà. On peut me parler en privé, je suis d'accord. Si vous avez des questions à me poser, vous me posez ces questions, je les répondrai par ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui regardent ma chaîne, qui vont directement sur Insta,
et tout ça. Donc tout sera dans la description. Donc posez-moi un maximum de questions et puis bah, suivez la chaîne. Écoutez, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc si vous voulez plus de contenu sur tout ce que je fais, sur ma routine et tout ça, vous me le dites en privé ou voilà, donc sur Insta ou au Snap. Et puis bah je verrai après ce que je fais avec vous. Voilà les gars, donc cette vidéo va bientôt se terminer. Donc là le vide, comme je vous ai dit, hop, on arrive dans ma rue. Donc vous avez à peu près suivi tout ce qu'il fallait. Donc il faudra, voilà, vous avez eu de toute façon la rue que j'ai pris. Donc là vous suivez. Donc oui, je donne des indications aussi pour rentrer chez moi. C'est complètement con. Bref, après je serai plus là, donc il faut bien penser à regarder mes vidéos. Voilà, tout simplement. Donc je suis un con. Je crois que je suis le seul à YouTube à montrer où est-ce que j'habite. Je peux repasser. Voilà. Ça, c'est pas grave. Après, faut avoir l'habitude. Donc on va arriver sur ma place, donc chez moi. Place des Bruyères, voilà. Vous voyez ce panneau là? Oh, regardez, c'est juste en face. Vous voyez, mais il y a ma petite sœur qui rentre. Donc voilà. C'est ici. Et ici, il se trouve que la semaine prochaine, j'y serai plus. Regardez pas mes cheveux, s'il vous plaît. Critiquez pas mes pauvres petits cheveux là, parce que ça me saoule. Bref. Du coup, je suis impatient d'être la semaine pro. Enfin, plutôt week-end pro. On va pas vendredi. Parce que je peux être con. Bref, j'ai hâte d'être rendu à vendredi déjà. Donc, voilà. Hop, je vous reprends dès que je suis arrivé dans ma chambre. Et c'est bon, je suis dans ma chambre. Alors, hop. Côté atelier, je vais allumer, voilà. Donc voilà, oh putain, c'est un peu le bordel. Il va falloir que j'arrange tout ça. Bon. Grand angle. Direction pour me voir. Oh. Moi, je vais me reculer, c'est pas grave. Donc, petit débrief de cette vidéo. Voilà, je vous ai à peu près tout donné de tout ce que je savais. Donc si vous voulez me suivre dans mes vidéos, abonnez-vous. Si vous voulez la partager, bah, écoutez, partagez-le au max si vous voulez. Et donc après voilà. Si vous voulez me poser des questions par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, donc notamment ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, donc je ne donnerai pas d'informations. Juste simplement si on me le demande. Parce que je ne suis pas un gros connard et dire ça comme ça tout seul. Donc voilà, donc faut d'abord que j'ai les autorisations pour répondre à certaines questions, puisque bah il y a des questions qui vont sûrement être posées, qu'il va falloir que je voie donc justement avec mon bébé. Voilà. Donc au moins je suis gentil, je préviens. Voilà les amis, donc merci avant tout d'avoir regardé ma vidéo. Donc du début à la fin. Donc merci à toi. Je verrai sûrement dans les prochaines vidéos ce que je pourrais faire. Donc, si j'en refais une avant vendredi, donc voilà. Ça dépend mon temps que j'ai à faire. Donc, cette semaine, donc ce que j'ai à faire. Demain, je ne peux pas faire de vidéo parce que je pars faire les courses. Et où ça? Vous allez jamais me croire. Oh putain, du coup, j'ai oublié que c'était là-bas qu'ils allaient faire les courses. Je crois que je vais être content. Là, je pense qu'ils ont ma mère fait les courses à château oui, maintenant. Je pense à rien, je ouais. Attends, pour moi, c'est vraiment ça, je suis tellement content. Je vais tellement être content. Je donnerai pas d'infos pourquoi. Encore, faudrait-il me le poser en privé. Je
on vit avec de la colle. Je suis encore un enfant pour jouer avec de la colle. Ouais. Donc voilà. La plupart du temps, je passe mon temps dans ma chambre. Donc, c'est d'où la raison dans l'état qu'elle est la couchon. Bien sûr, je vais changer la chambre. Hein. Je vais pas la laisser comme ça. J'ai essayé de changer les choses, j'ai essayé de faire des choses un peu plus stylées avant que je parte. Donc déjà de laisser la chambre propre, puisque je pense que moi, mon frère va prendre le relais de ma chambre. Donc le plus important, c'est de lui laisser une chambre assez correcte. Comme ça, il aura ça au moins la chambre, quoi, la semaine. Donc voilà. Donc j'amènerai sûrement des choses à moi, donc des anciens Bluetooth ou ce genre de trucs. Donc ça va me faire vraiment bizarre de repartir pour Nantes, je vous le dis, parce que voilà. J'ai à l'intérieur de moi quand même une boule au ventre, parce que ça fait extrêmement longtemps que je suis pas parti à Nantes justement. Du coup, en attendant, j'ai aussi quelques petits soucis, donc notamment au niveau du titre de transport. Donc va falloir que j'aille à pied. Donc le temps que ma carte se mette en route, après je peux faire ce que je veux tout simplement. Ça va être vachement compliqué pour moi. Bon, on entend ma petite soeur à côté, c'est pas grave. Donc voilà pour tout, couronner le tout, couronner. Pourquoi je suis si con de vouloir dire ça, j'en sais rien. Donc voilà pour ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Ça change, oui, je sais. On cherche à me coller des bâtons dans les roues, mais j'y arrive à prendre mon goût et à dépasser ces trucs-là. Donc c'est génial pour moi. Mais pour les autres, pas du tout, parce qu'ils voient que j'y arrive, du coup ils sont pas contents. Malheureusement, j'ai envie de dire que j'emmerde les gens qui sont pas contents que je réussisse. Tout simplement. Puisqu'il y a des personnes qui ne veulent pas admettre que je change. Des personnes qui ne veulent pas admettre que je suis devenu un homme. Ça dépend en quoi. Donc, les questions. D'où la raison pour laquelle je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta ou sur Snap que je prendrai en note, donc sur un cahier bien sûr, vous imaginez bien, je vais garder les questions, je vais pas prendre des questions puis directement après à la poubelle, non, je vais garder les questions, puisque ça se peut que je pourrais faire une prochaine vidéo encore avec mon bébé, et voir si possible de parler de ça, mais je pense pas, donc voilà. Après je pense que c'est pas plus mal d'en parler aussi, donc je sais pas encore, il va falloir que j'en parle avec mon amour. Donc je le ferai vendredi, donc si elle est d'accord. Donc voilà, je préfère lui poser la question en étant devant elle que par téléphone. Parce qu'on est, on est complètement d'accord que c'est complètement con. Voilà. Donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser parce que j'ai des occupations aussi à faire. Donc écouter de la musique ou ce genre de trucs parce que j'ai rien à faire en fait. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse me poser toutes ces questions-là sur mon Insta et sur Snap. Donc... je répondrai peut-être pas forcément, mais je répondrai demain, par exemple, merci de m'avoir envoyé cette question. Je répondrai ça sur YouTube en voyant si c'est possible, ou j'enverrai tout simplement la question. Je peux répondre à cette question sur ma chaîne. Voilà. Donc, je pourrais remercier déjà la personne qui me l'a posée, et notamment la personne qui voulait que je fasse cette vidéo. Enfin, les personnes qui voulaient que je fasse cette vidéo, juste moi, mais voilà. Je trouve que c'est important d'en parler aussi de ma façon de voir les choses, donc de la façon dont j'ai changé, de la façon dont je suis actuellement, donc voilà. C'est toujours le plus important, c'est toujours important de parler de ça, puisque je pense que ça peut être un sujet qui peut être pas mal vu sur ma chaîne, donc je pense que ce serait pas mal d'en parler, tout simplement. Donc je sais qu'il y a des questions qui vont revenir par rapport à tout ce qui constitue en fait tous les hommes et les femmes, donc le chic, le sexe. Je verrai si je réponds à certaines questions ou non, donc voilà.
Après, si vous voulez me poser des questions, vous me les posez sur Insta ou sur Snap ou n'importe quel réseau où vous pouvez me trouver. En fait. Donc, voilà. Par contre, par rapport à tout ce qui est Twitch et autres, donc Twitter et tout le bordel, je suis sur Twitter, mais je ne n'y vais plus jamais. Enfin, j'ai téléchargé cette application, mais en fait, j'y suis jamais allé. J'ai juste créé mon compte et puis voilà. Sans rien de plus. Donc, du coup, ça ne servira à rien d'aller voir sur Twitch ou autres réseaux sociaux, à part Snap, Insta et autres. Donc, je pense que vous devez savoir, donc, Messenger. Et je n'utilise pas forcément cette appli comme ça, mais voilà. Je suis plus au niveau des réseaux sociaux, donc si vous voulez me poser des questions, vous pouvez venir sur mes réseaux sociaux qui seront en description. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, je vous remercie déjà avant tout d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, parce que pour moi, ça peut me faire du bien de parler aussi sur ma chaîne, puisque certaines personnes savent que en ce moment, c'est pas très. Enfin, je vais pas très bien. Donc, je pense que pour moi, ça fait du bien de parler avec vous sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc, ce sera important aussi qu'on puisse me poser ces questions-là et je verrai si je répondrai vendredi, samedi ou dimanche. Tout dépend de l'humeur de mon amour. Voilà. Donc, merci avant tout d'avoir participé à cette vidéo, donc à toi d'avoir regardé cette vidéo, de t'avoir abonné si tu l'as fait. Partage cette vidéo si tu en as envie. Ça peut être pas mal de gagner pas mal de personnes, donc comme ça me permettrait de voir quel contenu je pourrais faire sur ma chaîne qui vous intéresserait le plus. Donc après, ça dépend. Tout simplement, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, parce que je sais pas quand est-ce que je referai une. Donc, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle, on va dire, vidéo. Alors, oui, vous pouvez voir ça. C'est mon bébé. Ça, c'est ma chevalière. Bref, vous l'avez déjà vu. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo à toi. N'hésite pas à partager, même si elle a été extrêmement longue. Je pense que ça peut être très important de parler de tout ça. Et franchement, ça serait génial. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois. Bref. Je souhaite aux personnes qui regardent cette vidéo en journée, donc bonne fin de journée. Ou si des personnes... regardez cette vidéo en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Donc, je vous retrouve à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!